Voilà, c'est celle-ci, on voit bien l'arrivée de l'ancien télésiège avec le panorama, le Mont Blanc dans le fond, les aiguilles vertes, le plateau du Trien. Quelques clichés noirs et blancs pour revisiter le passé. En 1953, Jacques et Jean-François avaient tout juste 10 ans. Alors forcément, l'arrivée du premier télésiège les a marqués. On faisait déjà du ski, mais comme les gens en faisaient autrefois, quoi, on montait, on damène aux pistes, on faisait des petits concours. Et puis là, tout d'un coup, ben, on ne montait plus à pied, quoi, on montait par le télésiège. Et puis c'était fabuleux. C'était un télésiège, une place qui ne s'arrêtait pas. On devait prendre nos skis dans une main. On prenait la barre du siège dans l'autre et on posait le pied sur un marche-pied. On se retournait et on s'asseyait, on montait jusqu'à la Creusa face aux Alpes, face au Mont Blanc. L'ouverture de la cabine qui relie le village à la Creusa à Luy était inaugurée en 1968. Juste avant que Norbert ne commence à travailler aux remontées mécaniques. À bientôt 83 ans, il vient de ranger ses skis. S'il a fondé l'école suisse de ski avec 4 copains en 1954, Norbert a surtout été, pendant un quart de siècle, chef technique de Télémarécotte jusqu'à sa retraite en 1996. Vous êtes de tout, vous êtes du minage, du terrassement, on a tout fait. L'entretien des pistes en été, c'est un terrain très caillouteux, hein. Il a tout fallu miner pour pouvoir skier avec peu de neige, comme cette année, par exemple. Allô. Comment? Tu vas bien, toi? Ça va? C'est la vedette. Ça a bien changé. Quand on pense qu'on en est à la deuxième génération de télésièges, c'est invraisemblable. Qu'il faille tout changer en 30 ans. Hein. À 70 ans, Jacques Fleutry glisse, lui, avec toujours la même aisance sur les pentes de son enfance. Des virages serrés, le style inimitable d'une époque. Des champions sont nés ici, comme Fernand Bochaté, médaillé olympique à Grenoble en 1968. Ça vient un peu du fait qu'on était dans les premiers à avoir des installations, des remontées mécaniques. Après Zermatt, ça se fait Verbier, Montana et Champéry. Alors on avait peut-être plus de possibilités de nous entraîner que les autres qui devaient encore monter à pied, redescendre pour s'entraîner. Pour assurer leur avenir, les remontées ont investi 9 millions de francs pour un nouveau télésiège, un nouveau téléski et la rénovation du restaurant il y a 2 ans. Résultat, un dernier hiver record. Et 60 ans après les pionniers, les pentes de la Creusa sont devenues le terrain de jeu des meilleurs freeriders de la planète. De quoi voir la vie en couleur.